Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va. Aujourd'hui, petite vidéo comme ça, brûle pour point, vous le voyez sans fond vert, hein. Je suis à la maison, pour rebondir un petit peu sur l'actu, notamment concernant cette rumeur qui a été lancée par le site Polygon, en quel j'ai une confiance quand même assez intense, qui raconte que Black Ops 4 n'aurait peut-être pas de mode solo. Donc le prochain Call of Duty ne serait que du multi et de la Battle Royale, ça c'est plutôt cool, mais il n'y aurait pas de campagne solo. Et ça, c'est quelque chose que je trouverais dommage. Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur le multi, hein, des nuits, des nuits et des nuits, mais le solo, c'était mon petit plaisir. Et sur une franchise comme celle-là, je trouve que ce serait dommage. Julien vous en a parlé ce matin, donc moi, je vais pas m'étaler globalement sur ce sujet-là. Par contre, je vais vraiment parler voilà, du multijoueur et du fait que eh bien, le succès des Fortnite, des PUBG et des jeux en multijoueur pourrait peut-être faire du mal au mode solo, voire le tuer. J'espère pas, en tout cas, on en parle tout de suite en vidéo. Alors, est-ce que le multi est en train de tuer le solo? Ça, c'est la grande question. Franchement, j'espère vraiment que non. Parce que c'est vrai que quand on regarde, ne serait-ce que sur YouTube, hein, et même les sites d'actu, quand tu regardes les news, il n'y a plus que ça. Du multi, du Fortnite, du PUBG, du Battle Royale, etc. C'est ce qui cartonne. Et je peux comprendre hein, qu'il y ait un engouement là-dessus. Moi, je ne suis pas forcément la plus grande fan. C'est pour ça qu'il y a pas énormément de vidéos, voire pas du tout, hein, sur Fortnite, sur la chaîne. Il y a une vidéo sur PUBG, parce que je voulais découvrir un petit peu le phénomène, etc. Moi, c'est moins mon truc. Je trouve ça cool avec des potes, mais c'est pas le genre de jeu sur lequel je vais passer le plus de temps. Moi, j'ai besoin qu'on me raconte des choses, et je trouve que ça raconte pas grand-chose quand même. Mais il y a que ça. Il y a que ça, que ça, que ça. Ça marche, ça cartonne, ça fait des vues. Je peux tout à fait comprendre. Il n'y a pas de problème. Mais qu'il n'y ait plus que ça ou que des gros jeux tendent vers des expériences full multi, ce serait quand même triste. Et quand on lit l'article de Polygon, alors attention, hein, on va prendre un petit peu de recul. Je vous invite à aller lire l'article. Le mode solo est clairement en développement. Il a été entamé. C'est juste qu'ils ne savent pas s'ils auront assez de temps pour le terminer avant la sortie. Bon là ça poserait d'autres questions, à quel prix le jeu serait vendu, est-ce que le solo arriverait derrière en mode DLC, ce serait un petit peu dommage, ça fait un petit peu peur, mais bon ça c'est un autre débat, ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle vidéo. Mais c'est vrai que ça fait, tu te dis attends ça enverrait un message, si toutes les grosses licences font ça, c'est quand même une grosse licence, Call of, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, si toutes les licences font ça, mais quel dommage d'enlever cette possibilité déjà aux joueurs d'avoir le choix, de faire soit du solo, soit du multi, soit les deux, je ne sais pas, d'avoir une expérience de jeu complète. Quel dommage! Moi, je pense, à contrario, à Star Wars Battlefront ou à Titanfall 2, qui, eux, ont fait l'inverse. Hein. Ils nous ont offert des expériences full multi, qui étaient cool. Moi, c'est vrai que le premier Titanfall, j'étais super hypée par l'univers, mais au bout de 5-6 heures, bah oui, tu tournais en rond parce qu'il n'y avait que du multi. Alors après, ça n'engage que moi. Encore une fois, c'est subjectif. Hein. Il y en a qui passent des heures et des heures que sur le multi. Ils font que ça, que ça, que ça, que ça. Ok, d'accord, pas de problème. Moi, je m'étais ennuyée. Le solo avait été fortement demandé, deuxième épisode de Titanfall, incroyable, super campagne, je vous le conseille. C'est vrai que c'est dommage, entre parenthèses, ça a fait un vrai four parce qu'il est sorti au mauvais timing, hein, entre Call of et Battlefield, c'était un petit peu compliqué, mais le jeu est meilleur. Le jeu est vraiment très très bon, je vous le conseille, et c'est ce qu'on attendait, et ça offre une expérience complète, avec l'envie de prolonger le plaisir dans le multi si on a fait le solo. Ou d'avoir le choix, tout simplement. Et pareil pour Star Wars Battlefront, surtout quand on sort sur un univers comme Star Wars, c'était dommage de ne pas avoir de campagne solo. Voilà, ça a été le cas sur le deuxième épisode. Et je trouve que ça, c'est aller vers les joueurs et vouloir contenter tous les joueurs. Parce qu'on est tous différents. Il y en a qui jouent pour le solo, il y en a qui jouent pour le multi. Mais si on met de côté ceux qui jouaient à Call of pour le solo, ce serait vraiment dommage. Et j'espère que le jeu vidéo de demain, c'est pas ça. J'espère que c'est pas que du multi. Aujourd'hui, on est dans une société, une génération ultra connectée. D'ailleurs, il y a une espèce de cassure entre les joueurs un peu à l'ancienne comme moi, qui sont très jeux vidéo traditionnels, même si on aime bien le multi. Moi, j'adore le multi, hein. J'ai passé des heures sur Call of, sur GTA Online, il n'y a pas de problème. Mais qui aiment profondément les expériences solo, et encore davantage quand il y a une narration qui est poussée, etc. Je pense à des jeux comme The Last of Us, Uncharted, même si c'est terminé aujourd'hui, ou encore plus récemment, d'ailleurs il n'est pas encore sorti, hein, puisqu'il arrive le 20, God of War. Moi ces jeux-là me font rêver, même si j'adore le multijoueur. Et puis il y a
cette autre partie des joueurs, mais c'est plus la génération d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont à fond sur le multi, Fortnite, machin, c'est la course au top 1, le challenge, l'e-sport aussi, machin, tout ça. Et c'est très bien, mais c'est très bien qu'il y ait des deux, et c'est bien d'avoir le choix, en tout cas si on passe sur des trucs full multi, moi honnêtement, je vous le dis, je serais un peu dégoûtée. Et c'est pour ça que je bénis les studios, et honnêtement, ça on en trouve beaucoup du côté... de chez Sony, hein, avec les studios Santa Monica, avec Quantic Dream, avec Kojima Productions aussi, hein, avec Death Stranding qui arrive, avec Naughty Dog, The Last of Us, etc. Encore une fois, God of War. Tous ces jeux qui ont clairement décidé de s'aligner sur le côté expérience solo. Voilà, on veut des expériences solo, on aime ça, ça a été clairement dit, hein, machin, voilà. Merci quoi, de ne pas faire que ce qui marche. Parce que sinon, ça envoie un peu le message, bah, c'est le multi qui marche. Donc on fait que du multi, puis tant pis pour ceux qui aiment le solo, c'est ce qui fait de l'argent, c'est ce qui fait vendre, l'argent, et c'est un petit peu dommage, ça enlève un petit peu d'âme, je trouve, aux jeux vidéo, et c'est à ça que ça m'a emmené, c'est pour ça que je vous disais, on va pas parler que de Black Ops 4, mais je trouve que ça montre quand même une certaine tendance à aller vers le full multi, Battle Royale, etc. Ok, bon, c'est cool d'introduire du Battle Royale, parce que c'est vrai que c'est sympa, etc., mais... Mon Dieu, j'espère qu'il n'y aura pas que ça. Moi, j'ai envie de voir un jeu vidéo qui est diversifié, qui s'adresse à tous les types de joueurs et qui permette d'avoir des expériences, voilà, des expériences variées, des plaisirs différents. Ce qui serait le top, hein, dans le meilleur des mondes, on aurait toujours des jeux solo avec un multi. Alors personnellement, moi, par exemple, sur Uncharted, j'ai pas joué beaucoup au multi. Sur des jeux comme The Last of Us, même j'aurais du mal à voir du multi sur God of War. Enfin, pourquoi pas. Mais... ce qui serait top, c'est d'avoir le choix, en tout cas d'avoir toujours des deux. Donc des licences qui offrent les deux et puis hop, qui feraient marche arrière pour n'offrir eh bien, que du multi. Moi, ça me rendrait triste. Si c'est ça le Call of Duty de demain, si c'est ça le jeu vidéo de demain, ben, j'ai pas envie. C'est pour ça que je joue davantage à des jeux... En ce moment, à des jeux solo, narratifs, comme du Uncharted, du The Last of Us. Je me suis refait avec Julien Uncharted 4 il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai besoin d'expériences comme ça. A Way Out aussi, tout récemment, un jeu qui se joue en coop, obligatoirement, mais je veux dire qui raconte quelque chose. En fait, j'ai besoin qu'on me raconte des histoires. J'ai besoin qu'on me raconte des histoires, même s'il y a du challenge, même si on a besoin de challenge, de se confronter aux autres, le multi, c'est cool. Mais j'ai pas envie qu'on tue le jeu solo. Non, pas tout de suite, s'il vous plaît. Donc voilà, c'était mon avis, j'avais envie de vous en parler en bonne et due forme, donc donnez-moi votre avis dans les commentaires, dans le respect, bien sûr, on a tous le droit d'avoir des avis différents, vive la diversité, justement, c'est ça que je veux, c'est ça que c'est le message, en tout cas, qu'envoie cette vidéo, donc dites-moi, je serais ravie d'en parler avec vous, comme d'habitude, et puis si ça vous a plu, le petit pouce bleu, abonnez-vous bien, activez bien la cloche, vous connaissez la chanson, et n'oubliez pas, Julien vous a fait une vidéo sur le sujet, sur justement ces rumeurs concernant Black Ops 4, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller la voir, et puis surtout, rendez-vous demain sur la chaîne, parce que je vais vous parler du mode God of War, justement, de God of War, donc le mode ultra hardcore, et je pense que vous pouvez kiffer la vidéo, qui va être assez drôle. Voilà, donc rendez-vous demain sur la chaîne, à 14h pétante. Plein de bisous, merci de m'avoir suivi, à très vite, ciao.